Tenez-vous dans ce qu'a mis à jour la commission d'enquête. Est-ce que vous parleriez de scandale d'État, par exemple, ou on parle de dérive de comment est-ce que vous qualifiez cela, vous? Mais je crois que c'est cette multiplication du recours au privé pour gérer les affaires publiques, c'est très emblématique de la philosophie d'action d'Emmanuel Macron. On a eu, évidemment, avant, recours à ces cabinets, mais là, c'est une... je dirais vraiment une explosion, hein. Ça est devenu tentaculaire, comme le dit le rapport. Et je crois que ça correspond bien, d'abord à une défiance d'Emmanuel Macron envers l'État, envers les fonctionnaires, et puis surtout une adoration absolue, sans aucun recul, pour les pratiques du privé, la façon de réfléchir les choses, la libéralisation à outrance. Voilà, moi, c'est ça que je retiens. Et aussi, d'ailleurs, c'est très emblématique des difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre pays. On parle beaucoup de souveraineté. Et je crois qu'il y a un vrai problème de souveraineté. Oui. Pas seulement de souveraineté de la décision politique avec des élus qui bénéficient de la légitimité et ces cabinets qui ne l'ont pas. C'est aussi en termes de souveraineté d'avoir un État qui a les compétences en interne pour réaliser, mettre en œuvre ses politiques. Avoir besoin d'un partenaire extérieur qui, par ailleurs, est une filiale de l'étranger, qui fait de l'évasion fiscale, qui peut avoir traité d'affaires qui viennent, parce qu'il y a un problème de déontologie... Tout cela met en cause notre souveraineté, c'est-à-dire la capacité pour notre pays d'agir uniquement en fonction de ses intérêts propres. Et ça, c'est quand même extrêmement grave. Il y a un des rapports les plus emblématiques qui a coûté plus de 900 000 euros qui concerne la réforme des retraites. Dans le rapport, c'est très bien expliqué parce qu'en plus, la réforme n'est jamais allée au bout. Qu'est-ce que ça dit aussi de laisser à ces opérateurs privés des réformes aussi cruciales que celle de la réforme des retraites? Bien, ça dit qu'on n'a pas confiance dans l'État, alors que... il y a des fonctionnaires qui ont les compétences aujourd'hui. Donc on sous-emploie des personnels, on les méprise quelque part, pour faire appel à des consultants qui, je dirais, en plus, et on le voit, puisqu'ils créent à côté de leur cabinet des think tanks, etc. Ils sont tous du même avis. Hein. Tout ça, c'est tous néolibéral, c'est tous de la espèce de nouveau conformisme du le public, c'est pas beau, et le privé, c'est super. Le résultat, on le voit, hein, nos sociétés ne s'en portent que plus mal. Un mot sur la facture, puisque vous êtes membre aussi de la commission des finances du Sénat. La facture qu'on voit pour 2021 qui s'élève à plus d'un milliard d'euros. Et en plus, une facture qui est sans doute sous-estimée parce que les sénateurs n'ont pu demander, par exemple, qu'à une partie des opérateurs le coût. Quand on voit cette facture-là qui s'affiche ici, qui est peut-être donc sous-évaluée, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? C'est tout bonnement scandaleux. 1 milliard d'euros, alors que d'un autre côté, on réduit le nombre de postes de fonctionnaires, on peine à donner aux agents et aux agentes les moyens de leur travail. Quand on rogne, on pense à l'assurance chômage, qui est une réforme pour économiser 4 milliards d'euros. Et d'un autre côté, on verse 1 milliard d'euros à des cabinets conseils qui, par ailleurs, s'empressent de faire de l'optimisation. Et pour vous, on peut s'en passer? On peut s'en passer de ces cabinets de conseil privés? Je dirais qu'on ne peut pas forcément s'en passer sur des projets précis et très techniques, mais pourquoi ne pourrions-nous pas avoir en interne, en toute indépendance, des fonctionnaires qui travaillent sur les sujets? On a la matière grise. Et c'est même, je dirais, tout ce qui faisait la force de l'État français. J'ai entendu hier le président de la République dire que c'était lui de Gaulle. Mais de Gaulle, il avait une vision de l'État. Il a refondé la haute fonction publique, justement. Là, nous avons, et Yannick Jadot le disait très bien, le président des lobbies. Et les cabinets conseils, c'est les meilleurs copains des lobbies. Alors justement, on va écouter le président de la République, parce qu'il a été interrogé lors de sa conférence de presse, assez précisément sur le rapport du Sénat. On écoute un extrait de sa réponse. Je pense que le Sénat a fait un travail utile et important, et c'est d'ailleurs le rôle de nos assemblées de pouvoir faire cela. Je pense qu'il est légitime pour les ministères d'avoir appel à des cabinets privés. Simplement, il faut que ce soit fait à chaque fois selon des règles transparentes, des appels d'offres et des marchés qui sont passés de manière transparente, contrôlables, par les inspections ministérielles et par le Parlement dans ses compétences et par la Cour des comptes en tant qu'elle est sollicitée par le Parlement. C'est un peu du en même temps. Le Sénat a raison de pointer une défaillance de certains ministères et en même temps, c'est utile pour les ministères. Ils ont été pris la main dans le pot de confiture. Et donc, quand la commission d'enquête a été instituée, en toute vitesse, ils ont écrit une circulaire en disant « Ah non, non, mais vous inquiétez pas, on cadre. » En janvier, oui. Voilà. Donc la réalité, c'est ça. Il y a eu une dérive manifeste
qui s'appuie sur une philosophie de l'action de l'État avec laquelle nous sommes totalement en opposition. Ils ont été pris la main dans le pot de confiture à 1 milliard d'euros et maintenant ils essayent de rattraper le truc, mais je dirais que les Françaises et les Français doivent y voir clair. Et juste un mot pour dire qu'on peut retrouver toutes les conclusions du rapport sur le site de Public Sénat. Elles sont très bien expliquées par nos journalistes web. Donc on invite tous les téléspectateurs à s'emparer de ce rapport, c'est très bien expliqué. Et qui n'ont pas comme vous le pavé. Voilà, et qui ne pouvaient pas forcément lire les 350 pages. Il y a des exemples. Voilà, c'est tout explicité sur le site du Sénat, de Public Sénat. Merci Quentin.